Déjà, Hong Kong, qu'est-ce que c'est ? Hong Kong, ce n'est pas seulement une ville, c'est tout un territoire situé au sud-est du pays qui se compose évidemment de la ville de Hong Kong, mais également d'un archipel de 200 îles et d'une partie continentale. En tout, c'est plus de 7,3 millions d'habitants qui se concentrent sur 1100 km². Les tensions entre le peuple hongkongais et le gouvernement chinois proviennent principalement de leurs différents idéaux et du désir d'indépendance de la petite région. Si le territoire d'Hong Kong est spécial par rapport au reste de la Chine, c'est déjà dû à son histoire. À partir du XVIIe siècle, les Chinois commencent à utiliser l'opium comme drogue, opium qui provient d'Inde, et les Portugais sont les premiers à leur en vendre. Les Britanniques se lancent à leur tour dans ce commerce très lucratif. En 1729, environ 200 caisses d'opium entrent chaque année en Chine. À la fin du XVIIIe, ce chiffre dépasse les 4000 unités. Et en 1838, plus de 40 000 caisses sont vendues par les Américains et les Britanniques. Malgré de nombreuses interdictions, le commerce de l'opium reste très florissant jusqu'en 1839. C'est grâce aux actions de Lin Zexu, commissaire impérial de la province du Canton, que des mesures radicales sont prises contre le commerce de l'opium. Cette année, Lin Zexu détruit les caisses de drogue et envoie un message à la reine Victoria, lui disant que la consommation d'opium est interdite en Chine et lui demande d'en faire cesser le trafic, ce qui déclencha la première guerre de l'opium. Après une série de défaites chinoises lors de la première guerre, l'île de Hong Kong est occupée par les Anglais et cédée provisoirement au Royaume-Uni. C'est le traité de Nankin, signé le 29 août 1842. L'île de Hong Kong est ainsi le premier lieu d'implantation de la colonie anglaise. Le territoire cédé aux Britanniques va s'élargir une première fois à l'issue de la seconde guerre de l'opium, avec la convention de Pékin en 1860, et une deuxième fois à l'issue de la convention de l'extension en 1898. C'est à ce moment qu'un bail de 99 ans est mis en place sur la région. En 1949, l'arrivée des communistes en Chine provoque une vague de réfugiés fuyant le continent pour aller à Hong Kong. Néanmoins, l'idéologie communiste arrive dans la petite région malgré son influence britannique capitaliste. On le voit notamment en 1967, quand un mouvement ouvrier, soutenu par la Chine continentale, place de vraies et fausses bombes dans Hong Kong et autour de la ville. Au même moment, la Chine coupe toute l'eau de Hong Kong, ce qui amène le gouvernement de la région à créer ses propres réserves. Du coup, la perception qu'avaient les Hongkongais des communistes devient très négative. Ce que l'on sait tout de même, c'est que la plus grosse armée du monde, 3 millions d'hommes, est défiée et bloquée dans sa progression par plus d'un million de Chinois descendus dans les rues de Pékin. En 1989 se déroule la manifestation de Tiananmen. Cet événement avait pour but de dénoncer la corruption et de demander des réformes politiques et démocratiques. Le gouvernement chinois fit intervenir l'armée pour arrêter le mouvement. Le nombre de morts et de blessés demeure incertain. Les rapports de la Croix-Rouge chinoise font état de 2600 victimes. Ce chiffre a rapidement été écarté sous la pression du gouvernement, qui lui avance les chiffres de 241 morts et de 7000 blessés. Cet événement a entraîné une nouvelle vague d'immigration vers Hong Kong et profondément choqué les Hongkongais, renforçant leurs suspicions à l'égard du régime communiste. À ce moment-là, la perspective d'une rétrocession, c'est-à-dire d'un retour du territoire au sein de la République populaire de Chine, déclenche beaucoup d'anxiété. En 1982, 15 ans avant l'expiration du bail de 99 ans sur les nouveaux territoires, les gouvernements du Royaume-Uni et de la République populaire de Chine, représentés à l'époque par Margaret Thatcher et Deng Xiaoping, entament les négociations sur l'avenir de Hong Kong. Hong Kong cesse d'être une colonie britannique le 1er juillet 1997 et devient une région administrative spéciale de la Chine. Pour calmer les inquiétudes, Deng Xiaoping annonce une politique pragmatique de « un pays, deux systèmes », promettant de préserver Hong Kong du système politique et économique de celui régissant la Chine continentale. C'est cette promesse qui est remise en cause par le peuple hongkongais à travers la révolution des parapluies.
Au début, aucun changement n'est visible. Pourtant, Pékin renforce son influence sur les élections hongkongaises. En principe, le chef de l'exécutif est élu par 1200 grands électeurs, censés représenter les intérêts des Hongkongais. Le fait que la majorité de ces électeurs soient issus d'entreprises ayant des intérêts économiques en Chine donne à Pékin un contrôle sur le processus électoral. En 2012, le chef de l'exécutif Leung Chun-ying prévoit de mettre en place des cours obligatoires pour favoriser le patriotisme des jeunes Hongkongais. Les étudiants y voient une tentative d'endoctrinement. La réaction est immédiate. 4 jours avant le début des cours, les étudiants de l'association Scolarisme décident de se rassembler devant le parc du gouvernement hongkongais, surnommé alors Civic Square. Au début, le mouvement a du mal à se lancer, mais au bout de quelques jours, il est rejoint par 120 000 étudiants. Ils ne partiront pas tant que le gouvernement n'aura pas supprimé cette réforme. Au bout de 9 jours de siège, le gouvernement cède et décide de rendre ses cours facultatifs. En mars 2013, l'actuel président chinois Xi Jinping arrive au pouvoir. Globalement, sa politique se caractérise par une forte présence de la Chine à l'international, un retour aux valeurs traditionnelles et un renforcement de la politique du Parti communiste. À partir de sa montée au pouvoir, le gouvernement chinois se montre de plus en plus agressif à l'égard de Hong Kong. En 2013, le professeur de droit Benny Tai écrit une tribune dans la presse. Il réclame la mise en place du suffrage universel promis à la rétrocession. Pour appuyer son action, il demande aux citoyens d'occuper Central District, quartier représentant le pouvoir commercial et financier de la ville. Afin de mesurer les soutiens du mouvement et dans le but de faire des propositions au gouvernement, les membres organisent des référendums citoyens. En tout, c'est environ 800 000 personnes qui viennent voter. Le Parlement chinois répond à Benny Tai et met en place un nouveau mode de scrutin pour élire le chef de l'exécutif hongkongais. À l'avenir, Pékin sélectionnera 3 candidats et les citoyens devront choisir parmi ces propositions. Ce n'était clairement pas ce qu'attendait le peuple hongkongais. Le 26 septembre 2014, des milliers d'étudiants sèchent les cours pour se mobiliser contre cette réforme. De nombreuses arrestations ont lieu, pourtant elles ne font que renforcer la détermination du peuple hongkongais. Dès le lendemain, de nombreux citoyens décident de se joindre aux étudiants, le mouvement Occupy Central est né. Il va durer 80 jours et rassembler jusqu'à 900 000 personnes. Pour mettre fin à cette initiative, les forces de l'ordre usent de gaz au poivre. Afin de s'en protéger, les manifestants décident d'utiliser des parapluies. Dès le lendemain, les gros titres nomment ce mouvement « la révolution des parapluies ». Le 2 octobre, les manifestants exigent la démission de l'actuel chef de l'exécutif hongkongais, Leung Chun-ying. Le 11 octobre, les leaders du mouvement adressent une lettre publique à Xi Jinping dans laquelle ils lui reprochent de ne pas avoir écouté les citoyens. C'est d'ailleurs la première conséquence hein, sur ces places financières qui ont chuté ce matin de près de 2% à Hong Kong. Le dollar hongkongais a également perdu du terrain et les principales victimes, ce sont les actions des grandes chaînes de magasins, de crainte que ces manifestations fassent fuir les touristes chinois à la veille des vacances. Et puis également, bien sûr, il y a eu des perturbations dans les transports, des magasins et des banques fermées. Au bout de 2 mois de manifestations, beaucoup s'impatientent. Le mouvement qui était soutenu par tous s'use, du fait des pertes économiques que provoque l'occupation du quartier d'affaires. Les autorités profitent de ce ras-le-bol, 150 personnes sont arrêtées et plus encore sont blessées. Pour mettre fin aux violences et encourager les étudiants à rentrer chez eux en sécurité, Benny Tai, le professeur à l'origine de la tribune, décide de se rendre. 20 jours plus tard, le siège prend fin, la révolution des parapluies n'aura pas permis d'apporter de résultats concrets. Xi Jinping, quant à lui, salue la gestion de crise de Leung Chun-ying. Cet échec va pousser l'association Scolarisme, qui a organisé la première manifestation contre la réforme scolaire, à fonder un parti politique du nom de Demosisto. En 2016, Demosisto et ses alliés sont élus au Conseil législatif de Hong Kong, l'équivalent de l'Assemblée nationale, mais spécifique à la région. Malheureusement, c'est une victoire de courte durée, puisqu'ils sont déchus de leur mandat. La raison est simple, ils n'auraient pas correctement prêté serment à Pékin. L'un d'entre eux s'est, par exemple, vu reprocher la manière dont il avait prononcé le mot « pays ». Selon la haute cour, son intonation laissait entendre un manque de respect vis-à-vis de la Chine. Depuis, les membres de Demosisto sont automatiquement inéligibles. Le fait est que, selon le gouvernement, soutenir l'indépendance politique de la région enfreint la constitution chinoise, malgré le « un état, deux systèmes » de la rétrocession.
En juillet 2017, Pékin fêtait les 20 ans de la rétrocession. Pour la première fois depuis le début de son mandat, qui a commencé en 2013, le président chinois se rend à Hong Kong. Sa visite a été ponctuée par un discours officiel affirmant que tout acte de défiance envers Pékin était inadmissible. Ce discours a été appuyé par des démonstrations de force, comme la mobilisation massive de policiers et de militaires dans la ville. On a vu que Hong Kong bénéficiait d'un statut spécial qui est dû aux négociations menées par le Royaume-Uni au moment de la rétrocession. Mais si Hong Kong a été épargné, c'est simplement grâce à son poids économique. La région représentait 18% du PIB chinois en 1997, au moment de la rétrocession, contre seulement 2,9% en 2017. Or, si Hong Kong venait à perdre sa position de numéro 1 des places financières d'Asie, les Hongkongais auraient encore plus de mal à faire entendre leurs revendications. Le déclassement de Hong Kong est un risque à prendre en compte, surtout au vu du projet de la nouvelle route de la soie, qui a pour but de créer de nouvelles routes commerciales, une priorité pour Xi Jinping qui pourrait permettre à d'autres villes d'émerger sur le plan financier, faisant du coup de l'ombre à Hong Kong. Sur le plan géopolitique, il est clair que la situation a changé. Un temps protégé par les Britanniques, lorsque ces derniers pouvaient encore se permettre de contrarier la Chine, Hong Kong est aujourd'hui livrée à elle-même. Les Occidentaux se contentent de quelques tentatives d'apaisement par voie diplomatique, sans que cela n'affecte ou n'intéresse la Chine. Mais il y a aussi la question de la jeunesse. Ceux qui faisaient partie du mouvement Occupy Central étaient en majorité des étudiants. Ceux qui se réclament pro-démocratie et pro-indépendance sont aussi de cette génération. Cela signifie certainement que les relations entre Hong Kong et Pékin vont rester tendues pendant encore un certain temps. Un nouvel élément est à prendre en compte. Cette année, le Parlement chinois a voté la fin de la limitation du nombre de mandats que peut effectuer un président chinois. Cela veut dire que Xi Jinping peut désormais rester au pouvoir à vie dans le cas où il est réélu.